Mes chers amis, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va au pec, comme d'hab les potes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Brawl Stars. Bien sûr, on va tout claquer et de la thune. Ça c'est sûr. Vous avez vu le titre, la miniature, on se retrouve pas pour rien. Vraiment pas pour rien aujourd'hui, on va faire les trucs, un pack opening de bâtard. Oh ouais, de bâtard. Que ce soit clair, aujourd'hui on va fracasser tout. Déjà je me retrouve dans le shop, pourquoi? Parce que je viens de mettre le code créateur Pepito. Étant donné que moi j'ai pas mon code créa, donc on bombarde le code créa Pepito. Aujourd'hui on va se prendre Wally, les potes, qui est à 350 gemmes. Mais il y a également une offre spéciale 130 gemmes, 140 plus précisément, pour 4 mégawatts. Mais étant donné que je n'en ai que 38, bah forcément il va falloir banquer, bah oui. Donc forcément ça va faire mal. Mais par contre, ça va halas. Ah ouais, ça c'est sûr. Yes, I. Ça va envoyer du sale les poulets, moi je vous le dis. Donc en tout cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner bien sûr en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je compte sur vous bien sûr pour aller me suivre sur Twitter et Instagram. Vous avez les réseaux sociaux qui sont dans la description, mais également sur YouTube, comme je vous en ai parlé. Voilà, n'hésitez vraiment pas, ça me ferait très plaisir. Allez, on perd pas de temps, c'est-y part pour reprendre directement. Waouh, pour banquer. Yes, ça y est. Déjà 360 gemmes, oh pauvre. Et les 170 qui se trouvent juste ici, oh là 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 là. J'ai craqué les gars, j'ai craqué, mais oui je vous jure j'ai craqué. Allez c'est parti les poulets, on se prend directement Wally. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds, parce que moi j'ai envie de tout casser aujourd'hui. Donc vraiment partagez moi cette vidéo sur vos, à vos potes sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous pour que cette vidéo fasse au moins 300 pouces bleus s'il vous plaît. Allez c'est tipar, let's go, 350 gemmes en moins. Oh là 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 là, oh mais oui. Le beau petit Wally que voilà, le beau petit Wally. Je me devais de le prendre avant qu'il ne soit nerf. Vraiment, c'est tellement abusé, c'est tellement du grand n'importe quoi lui en ce moment, que je me devais de le prendre. Clairement, je me devais. Allez, maintenant on prend les méga boîtes bien sûr. Hop là, n'hésitez vraiment pas, hein, bien sûr, à lâcher un méga pouce bleu parce que là, ça fait mal au cul quand même. Ouf. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a dans la première méga boîte du coup? On a 218 pièces, un objet restant, 203 Wally. Oh là là, si là, on peut pas l'augmenter beaucoup, c'est qu'il y a un problème. La deuxième mégaboîte, qu'est-ce qu'on a? On a donc 168 pièces, 168 Wally, on a 400 doubleurs de jetons et 8 gemmes. Bien sûr, ça, ça fait plaisir, bien sûr. Bah pourquoi pas. Et dans la troisième mégaboîte, qu'est-ce que nous avons? On a donc 284 pièces, on a 153 Wally et 3 gemmes. Impeccable. Et maintenant, la toute dernière boîte, attention, qu'est-ce qu'on a? On a donc 180 pièces et enfin, on a 118 Wally et 8 gemmes. Ok, c'est pas mal. On a eu quand même quelques gemmes dans ce petit pack opening. Ça, ça fait plaisir. Donc, merci bien pour ces gemmes, moi j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Wally. Il est où? Il est où? Il est où? Il est juste là, le bébé Wally. Oh, il est trop bien. Alors, au niveau de l'attaque, 1000 points de dégâts portée normale. Ouais, il a une méga portée quand même. Son super portée assez longue. Ok, Wally lance une boule de graines qui rebondit avant d'exploser. Si elle touche un ennemi, elle explose à l'impact. Vitesse de rechargement normale et point de santé 3000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter directement. Plus 150 et 50, ok. Plus 150 et 50 à nouveau. Plus 150 et 50, ok, ok, ok. Ok, pas mal. Pouvoir 7. Du coup, je peux débloquer son gadget qui est un goûter pour se requinquer. Wally mange un buisson et récupère 3000 points de santé. Recharge par partie 3. Ok, bon, ça c'est pas mal. Hein. Voilà, on va pouvoir bientôt, je l'espère, débloquer son gadget. En attendant, on va se barrer en Brawl Ball. Bien sûr, n'oubliez pas un gros pouce bleu s'il vous plaît. Et abonnez-vous, bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de Wally. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je compte sur vous, les potes. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer contre Wally. L'occasion, ça je l'ai eu. Mais alors de le tester, pas du tout. Du coup j'ai un petit peu du mal à savoir comment il se joue exactement. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas ça va partir sur un joli petit but. Voilà, je sais que son ulti est vraiment OP, puisqu'il y en a plein qui se plaignent que du coup son ulti bloque comme ceci, voilà, les cages par exemple, boum, voilà, et que du coup personne ne peut mettre de but. Donc là par exemple, bah, les ennemis s'ils veulent mettre un but, c'est raté pour eux, ils ne pourront pas. Alors ça rebondit beaucoup quand même, hein, ça rebondit beaucoup, hein, ça c'est clair. Donc là bon, moi je joue avec des mecs pour l'instant qui n'ont pas beaucoup de trophées, ça c'est clair, ça se voit. Hop là, ça se voit qu'ils ont pas beaucoup de trophées, puisque du coup ça joue pas non plus énormément, hein. Ça joue pas très très bien, mais c'est pas grave. Voilà, on va récupérer le ballon nous. Oh, on s'est fait buter, oh là là. Hop hop hop, voilà. Alors une chose est cool, c'est que là si jamais je venais de me faire attaquer et mourir, peut-être j'aurais pu balancer mon ulti comme ça, histoire de protéger nos cages. Et là ils ne peuvent rien faire en fait, jusqu'à ce que l'ulti disparaisse. Et comme il est assez long, hein, cet ulti, et ben l'avantage c'est voilà quoi, ils ne peuvent strictement rien faire, strictement rien faire. Donc là je vais rebalancer mon ulti pour protéger à nouveau nos cages, et j'envoie et j'envoie et j'envoie, et ils ne peuvent pas passer, et ça c'est vraiment trop OP, beaucoup trop OP, même un peu trop je dirais. Donc c'est peut-être pour ça que Wally se verra peut-être nerf dans les jours à venir, mais bon, en tout cas, hein, une chose est sûre, c'est que c'est cheaté et ça c'est cool, c'est ce qu'on aime. Genre là voilà, je viens de bloquer les cages, ils ne peuvent même pas passer, et ça c'est tellement bien.
C'est trop OP, désolé mais c'est trop OP. Et hop, on prend le ballon bien sûr et on va marquer notre but en bébé Trix de préférence. Let's go baby. 2K Clash a marqué, le match est terminé. Ok. Alors déjà ça fait bizarre d'être à 0 trophée et d'avoir déjà un pouvoir 7, hein. On ne dira rien. 40 jetons du coup, ça c'est impeccable. Je veux juste aller voir du coup un truc, combien il a de points de vie, 3900 et 1300 de dégâts. Ok, au pouvoir 7, ouais c'est pas mal. J'ai un jeton star à récupérer juste ici, ainsi que prime. Je vais aller récupérer ça tout de suite les poulets, en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir. Ah quel délire, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop de pouvoir tester ce perso avant qu'il soit nerf, c'est un délire. C'est un perso qui est beaucoup trop cheaté, hein, donc forcément, ça quel plaisir quoi en fait, ça quel plaisir. Genre là par exemple, j'ai juste à l'attaquer lui et c'est finish pour lui quoi, le pauvre. Hein. Regarde déjà tous les dégâts qu'il prend quoi, regarde tous les dégâts qu'il prend, mais regarde tous les dégâts que je prends aussi, ah mazette. Regarde ça, j'ai juste à faire ça, une petite attaque comme ça et c'est fini pour lui quoi. Hop, là j'ai pas envie de risquer ma vie donc c'est pas grave, je fais ça, là tu vois ici, pareil, bien sûr, la petite popo juste là qui fait bien sûr plaisir, hop, là on attaque, on fait du kill. Oh, c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup beaucoup trop simple. Ça devrait pas l'être tout autant. Enfin, ça devrait pas être aussi simple, du moins. Genre là, regarde, la Rosa qui est là-haut. Hop là, déjà rien que ça, à distance, je lui fais autant de dégâts. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir ces persos là-haut qui me font un petit peu suer. Ah bah c'est fini, en fait, le survivant qui a pas duré longtemps. C'est une chance que d'avoir le Wally, parce que là, le top 1, oh, il est easy. Alors vraiment, cette partie elle était easy, OP, 88 jetons, ça fait plaisir, merci bien, on a une boîte à ouvrir, mais oui. Je rigole si je débloque déjà son gadget, hein. Je rigole. 37 pièces, 6 Wally, et non, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Et on va finir ça en prime, directement les poulets, donc voilà. Moi, c'est un gros délire, ce perso, il a besoin d'être nerf. Ça, c'est clair. Attention, c'est qui part pour le début. Oh lélé, comment ça va se passer ici? Ok, d'accord, il y a de l'ennemi à droite. Là. Il y a de l'ennemi à droite, ça se sent. On va essayer de taper des rebonds un petit peu. Hop, bah ils sont juste là, en fait, ils bougent pas tellement. Mais oui, bien le bonjour, mes chers, bien le bonjour. Bon, franchement, pour l'instant, ça va, c'est plutôt simple. Voilà, moi, je mors juste une fois, parce que j'ai pas forcément fait attention. Mais franchement, c'est plutôt cool, plutôt sympa. J'aime beaucoup, beaucoup trop ce perso. Alors, comment ça va se passer ici? Ouais, bon, ils sont tous là, en fait. Ils jouent leur spawn, quoi, en fait. Ils jouent leur spawn. Bon, tu me diras, ils ont pas d'autres trop. Ils ont pas trop le choix. J'ai envie de bloquer leur spawn comme ça. Hop. Putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est cheaté que ça en peut plus quoi. C'est cheaté que ça en peut plus. J'ai fait un kill mais je suis mort comme de la merde. J'aime trop, je l'aime trop, je te jure. Bon, après, faut arriver à comprendre aussi, hein. Pour ses rebonds et tout, comment ça rebondit, pour essayer de bien prévoir les déplacements, les moves, etc. Tout le tralala. Mais une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a en tête, ça devient beaucoup trop simple. Ça devient beaucoup trop simple, vraiment, qu'on se le dise. Hein. Genre là, boum, le petit kill qui passe, tranquille, voilà. Franchement, y a rien de bien compliqué là-dedans. Y a vraiment, vraiment rien de bien compliqué. On va les bloquer, hop. Oh, c'est trop simple, c'est trop simple. Est-ce que je vais me faire... Ah non, j'ai cru que j'allais me faire un triplé. J'ai cru qu'ils avaient plus de vie au point de faire un triplé, quoi, tu vois. Ok, et là, le dernier kill qui est pour 2K Bappé, bien sûr. Allez, ulti, auto-attaque. Auto-attaque, s'il te plaît, mon pote. Ah non, c'est même pas moi qui l'ai eu. J'ai auto-attaqué comme de la merde. Franchement, c'est un délire. Je trouve que c'est vraiment un délire. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime trop, ce perso. Bon, et ben, ça nous fait combien? Ça nous fait 60 jetons supplémentaires. Ça, impeccable. On a de quoi ouvrir une nouvelle boîte. Bah, c'est parti. Let's go. On va l'ouvrir, hein, bien évidemment. Hop, là, on a quoi? 94 pièces et 10 Wally. Ok, bon, pas grave. Je me serais attendu peut-être à avoir, avec un peu de chance, bien sûr, je me serais attendu à avoir son gadget. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bientôt, Beau Horus qui sort. Ça va être un gros, gros, gros délire, ça. Vraiment. Ça va être un méga délire. J'ai vraiment hâte. En tout cas les potes, moi j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Perso, ça m'a fait méga plaisir. Méga 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 plaisir de vous faire cette vidéo. Moi ça, ce perso il est ouf. Qu'on se le dise, il est vraiment ouf quoi. Je le trouve vraiment beau, hein, voilà. Je le trouve vraiment beau. Et bon, en même temps, il est ultra pété, ultra cheaté, hein, ça c'est clair. Ça on va pas se le cacher. Pour un petit robot, il est ultra cheat. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans les commentaires comme d'habitude avec un pouce bleu. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vous attends tout de suite sur Twitch les poulets et sur Twitter, vous avez tous les liens dans la description, ainsi que Utip, si jamais vous voulez me soutenir gratuitement, ça me ferait très plaisir. Et je voulais également vous dire, oui, j'ai changé de t-shirt entre temps parce que je voulais vous passer un petit message. J'ai oublié de vous dire aussi de me suivre sur Twitch, les poulets, je fais beaucoup de lives sur Twitch en ce moment, j'enchaîne le plus possible. Alors je vous invite vraiment à venir me suivre sur Twitch, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, c'est 2K Clash, tout simplement, vous avez le lien qui est dans la description, étant donné que sur Twitch, je live du Brawl Stars, mais je peux tout à fait live autre chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais
jamais il y a des jeux que vous aimeriez peut-être que je live, comme par exemple du CSGO, voilà, je sais pas, hein, on sait jamais, sur PC, ça peut être cool. N'hésitez vraiment pas, et voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Suivez-moi sur Twitch, vous avez tous les liens qui sont dans la description, Utip, etc. Vraiment, n'hésitez pas. J'ai énormément taffé sur la mise en place du nouvel overlay, etc. Que sur Twitch, ça passe vraiment crème, de même que sur YouTube, hein, il va falloir que je refasse un petit peu de live dessus. Mais il n'empêche que je compte sur vous, voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. C'était le type du futur, je vous laisse la parole, le type du passé. On se dit donc à dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous la famille, c'était Tib. Ciao ciao.